Bonjour, Manuel Abicha. J'ai un peu la grippe qui m'a pris. Le foie m'a dormi le week-end. Fait de me placer là dehors, crier, 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 tout ça. Bon. Anton Junior, bonsoir. D'où ma voix un peu changée. Et le rhume. Bon. Il y a deux raisons pourquoi je fais ce direct. Hortense, les chats. Moi, je ne veux ni le nombre, ni le chiffre. J'ai envie de parler, je lance mon direct, je parle, je quitte dessus. Voilà. Donc, je ne vais pas passer toute ma vie à m'excuser. Avant tout, nous sommes d'abord tous des êtres humains. Et chaque être humain a sa limite. Voilà. Et il faut que vous compreniez déjà que les gens peuvent être sur Facebook et parler de moi. Que ce soit en bien ou en mal, tant que moi, je ne suis pas ces gens, c'est-à-dire, je n'ai pas liké leur page, je ne recevrai pas de notification. Tant que je n'entre pas dans leur page, je ne serai au courant de rien. Et on dit, ce qu'on ne sait pas ne nous fait pas mal. N'est-ce pas? Donc, d'abord, premier truc même qui me met en colère, c'est contre ces gens qui passent le temps à m'envoyer les trucs eBay. Si par exemple, quelqu'un vient, tu as ta page Facebook comme moi j'ai ma page, quelqu'un vient faire un post concernant une personne avec qui j'ai de l'affinité, je peux prendre pour envoyer à la personne, oui, c'est vrai. Mais c'est pas que quelqu'un va aller poster quelque chose sur une personne dont j'ai de l'affinité, sur des pages bizarres, ou bien je vais passer mon temps à me balader sur les pages bizarres des gens qui n'ont ni tête ni queue, des trucs, je sais pas, donc qui n'ont même pas leur place sur Terre ni dans l'univers. Ils seront là en train de faire un direct ou des posts bizarres sur une personne pour qui j'ai de l'affinité, et moi je vais me lever pour prendre ça et envoyer à cette personne que je dis ma personne. Alors, ça veut tout simplement dire que cette personne que je prétends aimer, je n'aime pas cette personne parce que ça, c'est déranger la paix de la personne. Tu ne peux pas, toute personne qui est en contact avec moi à longueur de journée peut dire que non, cette fille, elle est en paix. Elle est tranquille. Tu l'appelles, elle est souriante, elle éclate de rire comme une petite folle. Je m'avoue, elle rit même souvent jusqu'à dire qu'il y a, il chante et machin. Mais j'éclate de rire bêtement. Voilà. Donc, il est inadmissible que c'est toujours ce même genre de personne. D'abord, je vais prendre l'exemple sur Colette Théry. Quand cette histoire des photos est sortie, elle n'est pas venue me voir. Hein. Non, 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 non. Colette Théry a fait un post sur sa page directement pour dire vraiment c'est quoi qu'elle avait écrit. J'ai vu ça puisqu'elle est mon ami sur mon faux profil. J'ai vu ça et j'ai commenté. Je lui ai dit, mais attends, tu as mon numéro personnel. Toi et moi, on cause en longueur de journée. Tu peux m'appeler pour me demander au lieu de poster pour me juger. J'ai plié le doigt. Prochain truc, un de elle envoie, un de elle envoie, mais à la longue, c'est saoulant. C'est saoulant. Je connais comment on manipule Facebook. Même si je ne suis pas connecté à longueur de journée, je ne fais pas de post, je ne fais pas de direct. Ça, j'ai même donné la gérance de ma page à d'autres personnes que je laisse gérer ma page. Si je veux savoir ce qui se passe sur Facebook, moi-même, je vais entrer et je vais voir. J'ai pas besoin que les gens qui me côtoient dans ma vie privée, qui prétendent m'aimer, passent leur temps à m'envoyer des liens de vidéos où je me fais lyncher, ou des liens de vidéos où on raconte des bêtises sur ma personne. J'ai pas besoin de ça parce que tout ça, c'est pour me mettre en colère. C'est pour me pousser à bout. C'est pour que je me lève, je réagisse. Et ça veut dire que cette personne n'aime pas me voir en. Donc cette personne ne m'aime pas. Ces personnes ne m'aiment pas. Je n'ai demandé à personne de m'envoyer des liens.
ou des captures d'écran, ou des demi-vidéos où on me lèche, où on ne me lèche pas, où on parle de bien à moi, où on ne parle pas de bien à moi. J'ai pas demandé cela. Don de grâce. Ne le faites plus. Donnez avant. C'est tout ce que je vous demande. Soyez sûr que s'il y a quelque chose qui est dit sur moi, sur Facebook, si je veux le savoir, je connais les pages qu'il faut que je tape pour voir si on parle de moi ou pas. Et je le verrai de moi-même. D'accord? Si vous dites m'aimer et que vous voulez mon bien, arrêtez de m'envoyer ce genre de choses. Et surtout, dites-moi que Virus, il dit à le président Paul Biya parle de toi, je vais aller m'asseoir pour regarder. Hein? Mais ne venez pas me dire que les déchets de la nature sont en train de se branler avec moi. Non, ça ne me sert à rien, au contraire, ça me tape sur le système. Et à la longue, c'est énervant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énervant. Quand en une journée, tu reçois 4, 5, 6, 7, 8, 10 messages, c'est quoi? C'est la même chose. Ah non, maman, je vous ai demandé quelque chose. Si je veux savoir, moi-même, je connais où taper pour savoir ce qui se passe. Et il n'y a personne qui peut connaître ma vie privée plus que moi-même. Laissez-moi vous dire ça. Il n'y a personne qui peut connaître ma vie privée plus que moi-même. Puisque c'est moi qui la vis. Vous ne la vivez pas à ma place. Personne qui ne vit pas avec moi dans ma maison, dans mes quatre murs, avec moi 24 heures sur 24, ne peut connaître ma vie privée plus que moi-même. Ce que vous pensez ou vous croyez connaître, ça sera toujours ce que moi, soit je décide de vous dire, ou bien ce que les langues de mauvaises ondes se lèvent et décident de raconter, ajouter le sel, le piment, le cube, le jiangsang, le pebet, tout, 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 tout. Mais la version ne sera jamais l'original. Ça sera toujours une version travaillée. D'accord? Voilà. Donc, j'en avais un peu ras-le-bol parce que depuis que cette histoire est sortie, il y a des photos, une vidéo et quoi, 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 quoi. J'ai essayé de vous expliquer, mais toujours dans le calme. Vous savez, il y a certaines choses qu'on fait. Faut pas, bon. Qu'on fait ou qu'on fait, je sais pas. Faut pas vraiment parler. Parce que même si moi je ne le fais plus, il y en a des gens qui le font. Et comment, de quelle façon chacun décide de gagner sa vie, ça ne concerne que cette personne. Moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Parce que la façon qu'elle décide de gagner ma vie, ça doit concerner aussi personne d'autre. N'est-ce pas? Voilà. Donc, mais j'ai essayé de vous expliquer en gros l'autre jour. Demandez par exemple au gars Mahmoud, les gens qui font dans les business des arts. Je vous dis, on est capable de vous monter une vidéo. Soi-disant qu'on est en train de parler avec le roi d'un pays Bamoun, ou d'un pays Bamléké, ou d'un pays Bassa, en proposant au Mougou les arts. Et le client va croire ça. Et pourtant qu'il suffit juste d'une petite intelligence. Entrer sur les réseaux sociaux et chercher, ils vont voir la vidéo originale qui n'a rien à voir avec la vidéo qui les ont été envoyées. Maintenant qu'il y a les gens qui ne s'y connaissent pas, qui ne comprennent pas, qui vont croire tout ce qu'ils voient, tant mieux. Il y a les femmes qui se font prendre de l'argent, qui se font escroquer, même vous les Camerounais, les Africains. Parce que ton propre frère africain te fait croire qu'il est le petit-fils du roi, il est le frère du roi, il est le meilleur ami du roi. Il peut monter une photo, une vidéo, même jusqu'aux conversations. Il y a des logiques sur Internet que quand tu télécharges, tu payes une somme et tu as accès à tout ça. Mais c'est faisable. Quand vous voyez les Américains qui tournent les films, ils montent les scènes, vous pensez qu'ils font ça comment? C'est faisable, il faut juste s'y connaître. Moi, je fais partie de ce milieu. Donc, il y a certaines choses que quand je vois, je peux dire ça c'est vrai, je peux dire ça c'est faux. Et quand ça concerne ma vie privée, si je dis c'est faux, c'est faux. Parce que si c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous montrer, c'est moi qui va venir vous montrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, c'est moi qui va venir vous dire. D'accord? Donc, la majorité des gens qui m'ont encore envoyé ce direct l'autre jour, y compris de Colette Terry, moi j'ai dit, dès le début j'ai dit non, c'est pas ça, la personne qui veut croire, croire.
Apparemment, après les photos, il y a une vidéo aussi qui est sortie. Et je suis resté, moi, chérie. Et je suis là sur mon lit, je fais ma vidéo. Parfois, la caméra se tourne, ça tourne. Et puis, hey, tout ça, ça se prend, ça se monte. Derrière, discuter avec qui que ce soit. Et je n'ai rien à prouver. Le jour que je vais vouloir parler, je vais parler. Moi, je suis le genre, j'avale, j'avale, j'avale. Mais le jour que j'ouvre ma bouche, que je vomis en vrai. Et vous me connaissez. Voilà. Donc, sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh, virus, oh, je n'ai pas fait les directs, il fallait serrer le cœur, il fallait rester tranquille. Non, mais là, je suis ras-le-bol. Je peux pas passer un week-end dans le mouillon. On dit les fans qui aiment quelqu'un. Vous voyez, c'est ma soeur qui était là. Je dis ma soeur parce que c'est, je l'ai connue dans Facebook depuis 2015. On a eu les hauts et les bas. Mais vous voyez, elle se déplace. Une personne prend son vol depuis le Canada. Elle vient passer un week-end avec moi et mes enfants. Elle est là, elle vit une situation. On a été de me bombarder autrement d'une autre chose. On sort de notre joker tranquille. Et j'ai. Non, ça me fait un peu ma tête. Je peux digérer. Ça m'énerve. Que ce sont les gens qui parlent avec moi dans mon quotidien. On parle sur appel vidéo. On parle appel normal. On parle. Vous ne voyez pas la personne dite exacte dans mon entourage. Vous voyez les trucs qui sortent. C'est même moi. Il y en a même d'autres qui m'ont bloqué. Jacques, quand moi on m'a envoyé ça le premier jour, j'ai dit, hey, c'est moi qui ai appris, j'ai envoyé que, hey, ma soeur, toi aussi, regarde, on a tapé les divans, on a ri, le lendemain, me lève, on m'a bloqué, vieux, je suis resté, j'ai ri. J'ai dit, bon, c'est pas grave, parce que vous savez, si tu ne parles pas avec quelqu'un, la personne ne peut pas se lever pour te mépriser. C'est à force d'être en contact avec quelqu'un que la personne peut te mépriser. J'ai dit, mais ok. Non, je supplie l'amitié à ce niveau au point où on va me traiter comme quoi. Et déjà une amitié où il n'y a pas de confiance. La base a raté, c'est-à-dire il n'y a pas de confiance, ça ne vaut pas la peine. Je suis assez tranquille dans mon coin. J'ai dit, bon, c'est une prière que Dieu a exaucée. Tant mieux aussi, ça, si la personne faisait vraiment partie de mes faits amis, seul Dieu sait, mais le reste, tant mieux. Et ça continue. Chaque jour, je me lève, je vais trouver quelque chose, je vais trouver quelque chose. J'ai pas besoin de répondre à tous ces faux profils qui font le tapage. Une personne qui se cache pour parler à une autre personne n'a pas de valeur devant moi. Parce que moi, si je veux parler à quelqu'un, je me montre. Vous voyez ma tronche propre, salaud. Je me place et je parle. Mais quand toi, tu te caches déjà. Comment ça s'appelle? Quand toi, tu t'as. Tu te caches déjà pour parler à une personne, pour me parler. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Toi-même, tu sais que tu ne vaux rien. Raison pour laquelle tu te caches. Yami, Yami, Emine, Vivi, s'il te plaît, ne m'appelle pas. D'accord? Ne m'appelle pas. Déjà, je vois tout ce que tu fais. C'est toi la rose du 237, non? Je vois tout ce que tu as en train de faire ces jours sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de ce genre de contact, s'il te plaît. N'appelle pas mon téléphone. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Qu'elle parle bien ou mal, elle n'a pas besoin de parler de moi. Parce que moi, je me suis désolarisé de tout ce qu'on parle d'elle. Elle n'a pas besoin. Pourquoi Flore n'a pas mis sa caméra pour parler? Pourquoi les lolos, tout ce monde, pourquoi tout ce monde sur Facebook, personne n'a mis sa caméra pour parler? Donc, s'il te plaît, ne m'appelle pas. D'accord? Reste dans ton coin. Merci. Voilà. Donc maintenant, je vais répondre un peu à l'arrêt de mes bio. Cela, je viens de voir son direct qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. Et il y a une partie où qui me concernait, elle m'a consacré, elle m'a consacré son temps dans son direct. Et dans tout ce qu'elle a dit, il y a une phrase qui m'a, moi, je me suis dit, ok, ça sort d'où? Quand elle a dit, ou soit j'ai été déçu, ou bien parce qu'elle n'a pas pris mon affaire, comme pour Coco et tout, quoi que ce soit, et je me suis dit que peut-être c'est comme ça qu'elle allait prendre mon affaire. Très chère Edmé Bio Maman, je vais te dire quelque chose.
Quand j'ai décidé de sortir avec cette histoire sur Facebook, je n'ai appelé personne. J'ai fait mon premier post avec ces lettres. Tu m'as appelé en tant que ta fille pour dire que, hey, Andy Gojo, quel est mon beau t'as fait jusqu'à tu veux y venir le verser? Et je t'ai parlé en tant que une maman, une fille parle à sa mère. Et avec tous ceux qui étaient dans cet appel, elle demandait de me calmer, d'effacer le poste, ce que j'ai fait. Quelques jours après, je suis revenu. Et quelques jours après, c'est les vidéos même d'abord, je vous avais posté. Là aussi, vous m'avez encore appelé, vous m'avez demandé de me calmer, non, ne fais pas le direct, ne fais pas ci, ne fais pas ça, blah, 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 blah. Mais je m'étais déjà déchaîné. Elle dit, bon, on finit avec, on quitte ça. Et comme je t'ai dit, je suis prête, pas que j'étais, je suis prête. J'ai fait cette sortie. Combien de personnes ont fait les vidéos sur moi? Grégalette a fait les vidéos sur moi, je l'ai répondu, non. Le couple Bulldog de la Suisse, ils ont fait un direct sur moi, j'ai répondu non. Qui n'a pas? Même la mouche tchétché de Kribi là. Qui n'a pas fait les directs sur moi? Qui n'a pas? Est-ce que vous m'avez vu répondre à quelqu'un? Non. Parce que j'étais prêt déjà psychologiquement. Je savais que c'est ce qui allait arriver. Que même les nobody, même les termites vont se lever pour venir parler à l'idée. Quand tu donnes le fouet quand on te fouette, tu assumes les coups sans crier. Et c'est ce que j'ai fait. Si j'ai parlé là maintenant il y a 2 jours, hier ou avant-hier, c'est à cause de ces gens qui me saoulent la gueule. Mais vous m'envoyez les liens de ces directs par rapport à... Je ne veux pas savoir. Je sais qu'ils parlent et ils n'ont rien d'autre chose à faire. Ce sont les gens qui vivent de méta. Malgré tous mes problèmes, je ne vis pas de méta. Je peux payer quelqu'un qui va me monétiser ma page, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Donc, très chère maman, la reine Bébio, j'aimerais que tu saches quelque chose. Je n'en veux à personne. Parce que j'ai ma bouche pour parler de ma chose. J'ai ma bouche pour me faire entendre ou pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un parle. Si quelqu'un parle en bien ou en mal, parler ou pas parler, je peux me défendre. J'ai ma propre bouche. Donc, si c'est ça que tu as mis dans ta tête, non. Moi, je t'ai envoyé le message, je pense hier, je t'ai dit, mes vidéos qu'elle fait là, tu as pris, copier, mettre sur ta page. Efface mes vidéos, s'il te plaît. Merci, c'est tout. C'est tout. J'ai demandé que tu les effaces. Pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision et je la respecte jusqu'à présent. Où j'ai dit, je ne fais plus les directs pour insulter les gens. Raison pour laquelle moi-même, je ne les ai pas postés sur ma page. Je les ai toujours effacés après les avoir fait parce que je savais, je me disais, ah, tu as dit un truc, tu fais la grotte, mais j'étais un peu à bout, il fallait que je me défoule. Mais cette chose-là, qu'on appelle Gringalette, moi, même les gens qui parlent avec moi en privé, je vous dis toujours, je ne vais plus me donner un spectacle avec elle. Je reste tranquille parce que je sais que le jour que Dieu va me donner la chance de l'attraper, c'est là où je vais parler, face to face. Elle est une femme, je suis une femme. Je n'ai plus besoin de continuer à venir sur Facebook, ça m'a donné quoi? Ah ben, ça m'a apporté le doute. Tu as aussi dit comme quoi, bon, tu as dit beaucoup de choses que, tu as dit comme quoi, bon, c'était pensé à toi là-bas, hein? Et voilà. Et pour te dire, pour te répondre, ce qui concerne mes biens au Cameroun, la seule personne qui avait accès à mon compte bancaire au Cameroun ou à mes biens, c'était mon feu papa. Tu comprends? En dehors de lui, tout ce que j'ai au Cameroun actuellement, ce sont mes frères consanguins. Il n'y a que lui que j'avais donné une procuration. Donc, il avait accès à ça. Étant ainsi, s'il avait besoin, il pouvait aller prendre et m'envoyer. Depuis sa mort, je suis parti là, enterré, je suis revenu, je n'ai donné la procuration à personne d'autre. Et je ne le ferai même pas. Je vais attendre, dès que j'ai l'occasion, je parle. Si c'est qu'elle peut vendre, je vends. Je porte tout et je viens avec ici parce que mes enfants n'iront jamais au Cameroun là-bas.
Il n'y a plus personne dans cette famille, la famille de mon père, à qui elle a dit que. Et même pas mes demi-frères qui sont là-bas. Ou mes demi-sœurs. Je peux faire confiance à personne. Elle a dit qu'elle va donner une procuration, qu'il faut avoir accès à ça. Il faut avoir accès à mon compte bancaire. Il faut avoir accès à ci. Il faut... Ça veut dire qu'elle n'aime pas ma vie. Ça, c'est maintenant. Ça, c'est pour qu'une guerre déclenche dans ma propre famille. On commence à se tuer. Vous êtes nombreux ici en Europe, vous savez ce que les familles en Afrique font. Tu envoies même l'argent qu'on te construit à la maison, on chope tout. Tu arrives, tu veux parler, on va te dire que c'est la famille, reste tranquille. Et moi, je ne suis pas le genre là qui va supporter ce genre de bêtises. Parce que personne ne connaît comment il fait pour gagner mon argent ici. Ok? Voilà. Je sais pas, tu as encore parlé d'autre chose. Bon, là, toi-même, tu as dit, c'est ta pensée à toi. Je ne peux pas t'interdire de penser. Selon ce que tu as entendu ou bien ce que je t'ai dit, tu peux penser. Là, je ne vais pas entrer dans ça, dans un débat ou dans les détails ou quoi que ce soit. D'accord? Et j'aimerais que vous reteniez quelque chose. Quand je suis fait cette sortie avec cette histoire, c'était pour parler. C'était pour me délier. Donc, me libérer. Je m'étouffais. C'était que, boah, quand on dit quelqu'un a la diarrhée, ça, la pression de ça. Il fallait que ça sorte. Je n'avais pas eu l'intention de faire une demande de Letchi. Je pense que je suis une rare des personnes sur Facebook ici qui on va dire qu'elle vit au départ de Letchi ou elle vit au départ de Meta. Ya? Il y a quelqu'un qui est au cas, ma pote. Il attend quelqu'un. Mon assistante sociale. Est-ce que tu comprends? Et si on rentre. Dans les archives, j'étais en direct quand des consoeurs camerounaises ont appelé dans le direct et ont dit, Lydie, dépose ton orgueil. Sors juste cette phrase de ta bouche. S'il vous plaît, venez moi en aide. C'est volontaire. La personne qui veut cotiser va cotiser pour te venir en aide. Elles m'ont parlé ce jour même avec. Je ne sais pas. Elles m'ont parlé. Ça m'a fait un jaillet. J'ai dit, yay! Seigneur, vous avez pouvoir venir. Elle parlait, les larmes ont commencé à couler seul dans mon cœur. Disait ce banquier, hey! Regardez ce que Lydia était vive à cause du bancal. Aujourd'hui, la femme de ce même siècle, comme la belle suite, que vous suivez, je viens manger sur Facebook pour nourrir mes enfants. Oui, vous ne savez même pas ce qui se passe en privé. Elle bombarde ses mains sur WhatsApp. Waya, 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 waya. C'est parce que j'ai dit je ne parle plus. Sur 100% des personnes qui m'ont aidé, je suis en contact au moins avec 70% en privé. Et on se parle en privé. Regardez ce qui se passe. Et envoie même avec les preuves. Et je dis que Lydia, ferme ta bouche. Fais vue ignorée. Ne parle plus. Laisse tout le monde penser ce qu'il veut. Laisse chacun s'agiter. Parfois même j'appelle, j'écris, j'insulte même encore ces propres personnes-là en privé. Il dit que c'est comment, il va m'étouffer, laissez-moi verser. Il dit que Yali, calme ton cœur. Tu es très impulsif, calme ton cœur. L'impulsivité là, maman, ça peut te faire, tu peux même tuer quelqu'un un jour. Calme ton cœur. Donc ma très chère Edmé Bio, je n'ai aucun problème avec toi. Je dis, je n'ai aucun problème avec personne parmi vous. L'aide que vous m'avez apportée, ne regardez pas que ça doit être obligatoirement financièrement. Ma très chère Edmé, tu ne vas pas soutenir financièrement, tu n'as pas participé à mon étude, mais tu as participé d'une autre façon. En disant aux gens qui t'ont appelé que est-ce qu'on doit la venir en aide, vous as dit oui, vas-y. Ils l'ont fait. C'est une très grande aide. En prenant ton temps, 4 heures de temps, fois 2 ou fois 3 fois, successivement, pour m'écouter, pour m'apaiser, pour me conseiller. Tu penses que tes conseils sont à la vingt? Tu me disais, Lydie, tiens ton travail, ne lâche pas. Ça me donnait la force. Et reste même comme ça tout le soir, toute une soirée, je suis à te parler avec les gens au téléphone. 6 heures sonne, et dormi peut-être 2 heures tard. Je me lève avec les larmes qui coulent comme ça. Il dit que non, rappelle-toi.
Et ma mère l'attend, dit que c'est bon. Je me lève, je pars, je travaille. Aujourd'hui, j'ai travaillé 4 bulletins de paye après combien d'années? Je suis contente. Je suis fière. Je pense que je peux marcher les prix au matin, ne regarde pas les prix, prends, tac, 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 je choque la carte, pop. Je suis avec un sourire. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu penses dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Je n'en veux personne. Et je ne m'attendais même pas que quelqu'un de vous prenne mon histoire en main. Parce que moi-même, j'ai ma bouche pour parler. Et quand je veux parler, je m'assois bien. Et je parle. Personne ne peut parler de mon histoire comme moi-même. Personne ne peut raconter mon propre histoire comme moi-même. D'accord? Voilà. Si, comme tu as dit dans ton direct, si vous écoutez le monsieur, peut-être il va dire autre chose. C'est qu'il suit, il va toujours dire le contraire de ce qu'il dit. Mais qu'il apporte ses preuves. Comme moi, j'ai apporté mes preuves. Juste que je dis à même les autres qui sont restés. Parce que moi, il est découragé, ne met pas tout, ne met pas tout. Il y a ce qui est resté. Mais bon, il dit que je vois. Il apporte ses preuves. On dit dessus. Il veut parler, il peut parler, il est libre. Nous sommes dans un monde où il y a la liberté d'expression. Dans la reine mère bio, très cher maman, enlève ça dans ta tête que je t'en veux, je n'en veux à personne. Ni toi, ni Patricia Bell, ni Nadège Mapa, ni Coco, ni la Black Butcher, ni personne. Je n'en veux à personne. Ok? Et je ne suis pas parti de là avec une déception. Au contraire, je suis parti de là avec une très très grande leçon. Bon, maintenant, quelle est la leçon dont j'ai pris de là? Ça, je ne vous dirai pas. Je la garde dans mon cœur. L'essentiel, c'est que la leçon que j'ai apprise, je la mets en pratique. C'est tout. Donc, de grâce, il faut enlever ça dans toi, dans ta tête, dans ton cœur. Moi, je t'ai envoyé le message, mais je t'ai dit, efface mes vidéos que tu as postées. Je parle de ces vidéos que tu as postées, les vidéos que j'ai fait hier ou avant-hier. Ça va? Ça va? Hier ou avant-hier. Ok? C'est tout. Parce que j'ai brisé moi-même quelque chose que je m'étais dit, je ne fais plus. Mais bon, je t'ai pas à bout, je suis un être humain, c'est normal, ça arrive. Ok? Là, ma petite princesse a commencé à m'atteler aujourd'hui. Il a sort les yeux. Voilà. Donc, je l'accompagne. Le temps qu'elle s'habitue, qu'elle apprenne à y rester, à comprendre que non, maman la dépose. Elle passe quelques heures, elle passe sa journée. Et après, je vais venir là. Je vais aller la chercher. Et après, on va rentrer à la maison. Voilà. Et ma promesse que j'ai tenue, je vais descendre à Rouen. Merci à tous ces gens de Rouen qui m'ont contacté, qui m'ont donné l'adresse sur le terrain. Et ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone, que si j'arrive, j'ai besoin qu'ils m'accompagnent. Ils vont m'accompagner à l'adresse exacte. Donc le reste, c'est là-bas. Donc, pour ceux qui ont été déçus de vous voir un peu dans cet état, Qui c'est moi? comprenez que Qui c'est chez ce sont maman? vos propres consoeurs et confrères qui Papa, vous papa? disent. Oui. Et donc, ça, c'est pour mon téléphone. Chanel. Chanel. Ya? Ya. Ya? Je suis allemande. Papa? Comment tu es belle, non? J'ai envie de détacher ta tête et te coiffer et te faire les pêches, les pommes. Vous prenez mes écouteurs, vous voulez y a quoi? Et parle, ils parlent, ils écoutent ça. Ouais. Chadet. Oui, merci, c'est gentil. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et ce qui concerne le père de ses enfants, je dis et je vous redis, je ne vais plus donner cette satisfaction de dire que je vais mettre ma caméra pour parler de lui. Parce que je pense qu'il trouve satisfaction à ça.
Et moi, je ne vais plus le faire. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, ceux qui disent Apuchou, Apuchou, tu t'es réveillé pour moi. Quoi? Apuchou. Papa est où? Papa. Il est où? Da où? Va le chercher. Va le chercher. Tu as rêvé de lui quand tu papa, dormais. maman. Je ne sais pas. Maman. Allez chercher. Portez les chaussures, vous descendez, vous marchez tout le long de la route. Vous prenez les trains, vous partez jusqu'à Bafang. On joue. Vous avez compris? Ok. Allez porter alors les chaussures. N'oubliez pas les yaks, il fait froid. Ok? Vous prenez les trains. En sortant, prenez vos actes de naissance. Comme ça, quand on va vous arrêter en route, vous dites ce que vous cherchez. Ok. Et ne prononcez pas mon oncle là-bas. Oui, tu as compris, j'espère. Ne prononcez pas mon oncle. Partez prendre vos actes de naissance, vous venez et bas mon oncle dessus. Allez-y. Ne partez plus. On ne saute pas sur mon lit, descend. Non, je ne saute pas sur mon lit. Ne partez plus chercher. Mieux de vous qui avez les pères. Nous, quand on a adhéré pour nous, là, on va pleurer qui. Ne saute pas. Oh! Maman Bobo. Oh. Maman Bobo ici. Bobo, mon nez, Bobo. Merci. Oui. Maman Bobo ici. Oui. Ici, mon nez, Bobo. Oui. Merci, princesse. Oh, Bobo est parti. Lorraine Meung, tu ris quoi? Qu'elle prenne les actes, elle porte, parce qu'il fait froid. Elle porte les yaks, elle prenne les actes de naissance, je bats mon nom. Elle sort, elle marche, elle va les suivre. Elle peut marcher jusqu'à Bafang. Et on les attrape, elle disait ce qu'elle cherche. Quand vous allez traverser la frontière, ne m'appelez pas. D'ailleurs, vous ne me ressemblez même pas. Donc, elle dit qu'elle ne vous connaît pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, la reine mère bio, tu dis, pour toi, c'est encore, c'est jusqu'à présent, c'est ta fille, virus, tu ne viens jamais t'insulter. Si elle te dit quelque chose, j'ai ton numéro, je vais t'appeler, tu dis. Ou je vais te laisser un message. Je ne vais pas venir t'insulter sur Facebook. Il n'y a aucune raison. Et je ne suis pas fâché contre toi ou toutes mes autres tatas là. Même avec Nadège, papa, moi j'avais juste fait mon direct pour dire. Elle fait ses clashs. Qu'elle laisse. Telle m'a fait ci, telle m'a fait ça. Moi-même, j'ai fait. Je ne veux plus. C'est tout. Rien de mauvais. Bon, elle avait pris ça comme elle a pris. Elle m'a appelé. Mais on a parlé, on a discuté. On s'est tiré les cheveux, on s'est arraché les poils du zout. Et puis, on est quitté dessus. Maman. Voilà, tranquillement, tranquille. Il n'y a pas eu de scandale sur Facebook. Donc, si vous toutes les Tata Lolo, Black Beauty, Patricia Ben, Coco et tout, Nadège, papa, j'ai oublié qui rêve bien. Si vous pensez que j'ai une dame contre vous, quoi que ce soit, moi je vous dis non. Dormez en paix, parce que moi, Edouard, en paix, c'est qui vous conseille. Je suis tous vos directs. Voilà. Et les émissions de Tata Lolo, je suis. Je dis tous vos directs, moi je suis. Je vous écoute juste que. J'ai décidé de me retirer sur les réseaux sociaux et j'ai dit les vidéos, les directs où on fait les clashs, je ne commente plus. Mais s'il y a une vidéo ou un direct qui est éducatif, je vais commenter, je vais partager. Mais le cas contraire, je ne le fais plus. Ça ne veut pas dire que j'ai une pensée négative ou une dame contre une tierce personne. Donc, en fait, la reine mais bio, ça c'est ce que je voulais te dire. Que j'aimerais que tu enlèves un peu ça dans toi. Je n'ai rien contre toi. Ni de près, ni de loin. Et mon problème, moi j'aime aimé le fait que vous avez été tous silencieuses à ce niveau-là. Parce que comme je dis, personne. Hey, il te donne quoi? C'est ton téléphone. Attends. J'attends quoi? Attends. Laisse, donne-moi, c'est mes écouteurs. Il faut aller Boza. Tu n'as pas dit que tu partais Boza. Dis à tes enfants d'aller Boza.
Va, Moussa. Tu ne me soucies pas. Maman. Tu cherchais qui? Hein? Eh, c'est quoi? Tu cherchais qui? Et fais fiasco toi-même. Va chercher là-bas. Va, Moussa. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne début de semaine. Dans la tranquillité, tranquillement, tranquille. Caro, cochère, quand est-ce que tu vas avoir? Attends qu'elle va lancer mon direct et tu me verras à Rouen. Il y aura le titre, me voici à Rouen. Ne te précipite pas. Et si je suis obligé d'aller. Ah non, si elle donne la date exacte, on va prendre le marathon. Et elle était partie à Paris, j'avais donné la date, on a bien. Ici, on ne doit pas bien, il faut que j'arrive, on est là. Tu vois un peu, non? Voilà. Et d'abord. D'abord! Voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien. Et puis, voilà. On fait comme ça, on est ensemble. Ciao, ciao.